Et coucou tout le monde, coucou mes petits renardos, j'espère que ça va bien. Et on va continuer notre aventure sur Hyrule Warrior, définitive édition. Et on attaque donc le troisième chapitre, la sorcière et l'étrange forêt. Encore une fois, nous avons un réceptacle de cœur pour Sheik et un fragment pour Impa. Je pense techniquement que les deux sont récupérables en une seule partie, mais au cas où, je pense que normalement ce sera possible, sans problème. Ok, sans oublier évidemment la Sculptula. Donc, nous avions à l'épisode précédent récupéré une nouvelle arme pour Link qui va être utilisée puisque, vous le voyez, l'élément de prédilection pour ce niveau, c'est le feu. Et comme c'est une baguette de feu, on y va. Ok. Link and his allies were saved from the dangers of the Elden Caves by a mysterious youth named Sheik. Joined by their new ally, Impa's troops exited the caves and emerged in Farron Woods. There, they found a hidden village overrun with monsters. While Link and Impa wanted to continue their search for Zelda, they could not ignore the plight of the villagers. Without hesitation, they sprang into battle. Es-tu à la tête de ce groupe? En effet. Tu peux utiliser la magie, dirait-on. Où l'as-tu apprise? Comment ça, où? Je suis une sorcière, c'est tout? Je suis du même clan que Sia, celle qui contrôle ces monstres. Dans ce cas, j'ai quelque chose à te demander. Quel est le but de cette sorcière, Sia? Vous voulez savoir? Si vous nous prêtez main forte, je vous le dirai peut-être. Bah évidemment. Lana, qui est donc évidemment un personnage créé pour Hyrule Warrior, hein, voilà. Qui n'a pas d'autre origine story que Hyrule Warrior. Donc l'avantage, c'est que la baguette de feu s'utilise de la même manière que l'épée de Link, donc c'est pas un problème. Elle est tout aussi fluide, tout aussi rapide. Voilà. Alors par contre, on a des Babamojo qui viennent de pop sur la map, et ça par contre, elles vont m'emmerder. Parce que je peux pas m'en approcher vu qu'elles font du poison. Par là je suis coincée. Enfin je peux passer hein, mais je vais juste perdre des cœurs. Et je confirme qu'on pourra récupérer tous les morceaux en même temps. Puisque Sheik est jouable. Ah je sais où c'est. Je crois qu'il y a un arc quelque part au sud. Oui. Là. Voilà! Voici notre arc et nos flèches. Et donc c'est avec ça qu'on va pouvoir éliminer les Babamojo. Hop! 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 Hop. Il faut quand même que j'élimine des ennemis pour la Sculptula. Alors, je vous le dis tout de suite, en fait, pour l'instant, quand on sélectionne les niveaux, vous ne voyez qu'une seule Sculptula disponible.
Mais sur mon compteur, vous voyez 62, le même nombre que pour mes fragments de cœur et tout ça. Tout simplement parce qu'une fois qu'on aura fini le scénario, spoiler alerte, une fois qu'on aura fini le scénario, il y aura une deuxième Skulltula à trouver dans chaque zone. Donc en fait, quoi qu'il arrive, je devrais refaire... Un scénario. Je crois que la Skulltula sera là, d'ailleurs. Ouais, la Skulltula sera là, à mon avis. Voilà, donc... Quoi qu'il arrive, je devrais toujours refaire... le scénario en mode... dans le mode d'une certaine difficulté pour pouvoir récupérer la deuxième Skulltula. Hop. Alors ici, il faut faire gaffe, on a des guidos. Et les guidos, pour ceux qui connaissent Legend of Zelda, vous savez qu'ils paralysent. C'est des saloperies. Je l'ai raté, donc voilà, mais c'est pas grave. Ok. Ok. Par là. Ok, celle-ci c'est fait. Et on a Sheik qui part vers les autres, donc on va prendre le contrôle de Sheik. Donc on rappelle qu'il y a... Il y a un truc à trouver. Alors j'ai essayé de resynchroniser mes manettes, mais j'ai toujours mon problème. Allez, attaque, putain! Bon. J'ai vraiment un problème avec mon bouton Y. Il fonctionne une fois sur 20. Ah, mais non, non, mais c'est une blague au bout d'un moment. Ouh, ça va m'énerver, ça. Bon, vous savez quoi? Temporairement... Comment est-ce que je fais pour changer... Comment est-ce que je fais pour changer mes boutons? On peut pas changer mes boutons? Magnifique. Je croyais que je pouvais changer ma configuration. Non, par contre, sérieusement, là, y a vraiment un souci, hein, Je voudrais bien avoir le contrôle de mon bouton, s'il vous plaît. Bon. Non mais c'est injouable là. S'il te plaît. Je pense que ma manette commence à me lâcher malheureusement. Bon. Non, c'est vraiment quand il veut. Ah, je dois prendre le trésor dans l'arbre Mojo. Pardon. Je crois que le ressort de la manette commence à... L'Ocarina ! Vous avez obtenu l'Ocarina. Vous pouvez maintenant vous téléporter aux oiseaux de pierre. Ça, c'est une nouveauté de... Je crois que c'était pas dans le premier Hyrule Warrior. C'était par après. Donc il faut activer les statues de hibou. Bon, dans cette zone-ci, il y en a qu'une. C'est celle-là. Ok.
La sculpture-là est apparue et je pense qu'elle est exactement là où je l'avais pré-shot. Non, ils ont foutu le feu à la promo jeu! Je l'avais pré-shot par là. Ouais, je la vois d'ici. Hop, voilà. Ok, je pense savoir où se trouve l'un des coffres. Viens ici la Guido. Ok, ça c'est pour Sheik. On reviendra ici avec Sheik après. En fait, je sais pas pourquoi, mais autant Link ça va, autant je sais que ma manette veut pas le contrôler. Parce qu'avec Link, j'avais pas de soucis. Par contre, avec Sheik, je sais pas, ma manette n'aime pas Sheik. Bon, vous savez quoi? Non mais allez putain, avec Link il y avait aucun souci. Pourquoi il y en a avec les autres personnages? Non mais sérieusement! Sheik, on va vite aller chercher le coffre. Vous inquiétez pas pour l'arbre Mojou. Fou. Hop, voilà. Parfait. Vous constatez avec Link, il n'y a aucun problème, hein, les attaques elles partent. Hein.
avec les autres. Je sais pas ce qui se passe, mais... Ma manette a des préférences, apparemment, au niveau des personnages jouables. Ok, ça c'est bon. Hey, ouvre-moi! Ouvre-moi! Allez hop, c'est parti. Ouais, il y a quelques grandes fées dans ce Hyrule Warrior. Moi, je les aime bien. Beaucoup les ont trouvées moches. Moi, je les trouve cool. La morflé quand même, l'arbre mojo. Ok. Et je sais où est le coffre pour Impa. Ah, ça y est, Link commence aussi à avoir des... Allez! Non mais... Je crois qu'il va vraiment falloir que je change de manette. Bon, on va l'ignorer celui-là. Putain, manette de merde, attaque! Oh, c'est un soupe! Si quelqu'un a des conseils pour ce problème de manette, parce que là, c'est vraiment un soupe. Hein. Je peux rien faire avec, avec ce bouton qui réagit plus! Allez, laisse-moi au moins finir mon... Laisse-moi au moins finir mon... Ma mission, quoi. Voilà, donc ça, c'est pour Impa. On est bien d'accord. Donc, je vais chercher Impa. Impa. Où elle est, Impa? Okay. J'étais en train de la chercher sur la map. Je vais voir aussi pour redémarrer mon jeu. Ça m'étonnerait fort que ce soit ça, hein. Mais bon, là au point où j'en suis, on a l'impression qu'il fait super calme sur la map. Je crois surtout que c'est le ressort de mon bouton qui commence à mourir, en fait, hein, tout simplement. Et ma manette a de la batterie, hein, donc c'est même pas le fait qu'elle n'a plus de batterie. Hein. Et quand je vous dis, vous voyez, hein, c'est quand elle veut. Hein. Voilà. Il y a 2 secondes, elle voulait bien, maintenant elle veut plus. Donc Isero, il s'en va. Et c'est maintenant que ça va être drôle. Parce que si ma manette déconne alors que le boss débarque. Donc le mage s'est enfui, oui, on est au courant. Et Link ne veut toujours pas attaquer.
Coucou Goma! T'es moche! Alors Goma, c'est comme d'habitude, hein. Je peux pas en vouloir à Link, c'est ma manette qui déconne. Ta gueule! Je suis déjà en train de me battre avec ma propre manette. Mais putain, non mais c'est... Hey, par contre c'est vraiment un supple. Hein. C'est vraiment un supple. Ça va me prendre une éternité parce que ma manette ne me répond pas. Putain de bordel de merde. Mais c'est... Eh putain. Je vais m'énerver. Je vais foutre ma manette dans le mur. Pas du tout ce que je voulais faire et en plus j'attaque dans le vide donc c'est magnifique, ça sert à rien. Ok, on sera passé outre la la manette dissidente. Je vais essayer de changer de manette parce que là c'est un sup. Je pensais retrouver son attelle Zelda. Nous avons fait fausse route. Où peut-elle bien être? J'espère qu'elle est saine et sauve. For generations. Hyruleans have told the tale of the war across the ages. This is how it begins. Deep in the forests, far from mortal eyes, a great sorceress watched over the balance of the Triforce. Through her magic, she could see across ages, able to read the fates of all who lived, but never interfering. That is,
until a unique soul caught her attention. The soul of the hero of legend, eternally reborn when Hyrule's need is greatest. Through her powers, the sorceress should have seen that the hero was bound to another. Instead, she saw only a soul that was unlike any she had known. And while the sorceress was preoccupied, a fragment of darkness, locked in its prison, saw an opportunity. The whispering darkness wormed its way into her heart. It pushed the light away and warped her curiosity into a desperate desire to possess the legendary hero's soul. Of course, this evil had its own desires. To use the Triforce to resurrect itself and conquer Hyrule once again. Having pushed the light from her heart, the darkness compelled her to open the Gate of Souls, the doorway of time itself. Monsters from across the ages pour through the gate, bringing ruin to the land of Hyrule once more. Ok. Avec trois morceaux d'illustration récoltés, stand amélioré, niveau suivant 12 morceaux, les potions de flacon sont plus puissantes, les élixirs à concocter sont plus nombreux. Ok, parce qu'on peut concocter des élixirs évidemment. Vous pouvez à présent utiliser les services du ferrailleur. Vous pouvez y transférer les capacités d'une arme à une autre. Entrons au marché couvert avec R. Non, merci. Oui, alors, vous le voyez ici, nous avons un embranchement au scénario qui nous permet de découvrir un nouveau personnage, à savoir Linkle. Bah écoutez, je vais vous laisser... Est-ce que je vous laisse le choix? Est-ce qu'on fait Linkle ou est-ce qu'on continue par là? On fera peut-être le scénario de Linkle la prochaine fois, puisque il est pas spécialement lié au scénario principal, mais ça peut être intéressant de le voir en même temps, en fait, pour le coup. Donc on pourra peut-être faire Linkle en même temps, voilà. Parce que oui, c'est un nouveau personnage, c'est Link au féminin, vous l'avez compris, Linkle. Moi, j'ai toujours dit Linkle, mais c'est vrai que c'est Linkle, techniquement, donc voilà. Donc j'espère que ça vous a plu et n'hésitez pas à laisser des petits commentaires, à me dire votre avis, ce que vous en pensez et tout ça. Et n'hésitez pas si vous avez des astuces pour le bouton Y, mais je pense que je vais changer de manette hein, pour voir un peu. Je pense que ma manette commence à se faire trop fragile pour le coup. Voilà, merci à tous et je vous dis ciao tout le monde.